se trouve dans une région où les eaux atlantiques rencontrent les eaux polaires. Donc, à la rencontre des deux masses d'eau, on appelle ça un front. Donc, c'est le front polaire. Et un des objectifs du LEG, c'est d'échantillonner les eaux au sud du front polaire et au nord du front polaire. Et aujourd'hui, on échantillonne au sud, dans les eaux atlantiques, au sud du front polaire. Pour les eaux atlantiques, on visait une température de surface d'environ 6-7 degrés, donc c'est ce qu'on a choisi. On a trouvé en fait un DCM, donc un Deep Chlorophyll Max, donc c'est un pic de chlorophylle, donc une abondance de phytoplancton à une profondeur d'environ 40 mètres. C'est un petit peu surprenant, mais quand même, c'est intéressant. Donc on échantillonne la surface, le DCM, et demain on échantillonnera une colonne d'eau intégrée sur 100 mètres.